Good morning! J'espère que vous allez bien. Bon mardi matin. Il est présentement 6h53. Ça fait pas longtemps que je suis réveillée, puis il fait encore noir comme vous pouvez le constater. On dirait quasiment qu'on est le soir, qui est 6h du soir. Mais non, il est 7h du matin. Moi, Amélia, Benji, puis Cléo, on est réveillés. Oui, Amélia est réveillée parce qu'elle bouge. Puis même s'il fait vite, il fait pas chaud. Non, Cléo, il fait pas chaud, hein? Benji, j'ai donné à manger. Mon chien est parti, il faut que je vide mon lave-vaisselle. Mais je vais commencer par préparer mon café tout de suite, c'est qu'au moins il va être déjà prêt pour tantôt. Amélia qui bouge déjà beaucoup. Aujourd'hui, on va peut-être cuisiner d'autres recettes. Je suis désolée, il n'y a pas de vlog à matin. Parce que j'ai pas fini de faire le montage. Hier, j'ai quand même pas mal blogué. Mais j'ai arrêté ce cours quand même. On est allé, quand mon chum est arrivé, on est allé prendre une marche. Dans les environs, là, dans le parc, ici, pas loin, pour faire jouer Benji. Je me regarde dans le miroir, puis j'ai vraiment la bédaine qui pop encore plus. Ce matin, on dirait. Les enfants ont été sages hier. Hier, pour souper, on s'est préparé. Mon chum est allé à l'épicerie, puis on avait envie de manger un bon repas chaud. Un bon repas, là, vraiment. Pas de quoi de vite fait comme les autres tomates, puis tout. On s'est fait des boulettes de steak haché que j'avais sorti de la viande de steak haché hier. Fait que je vais peut-être faire des tourtières aujourd'hui, mais finalement, j'en ai pas fait. Mais genre, il me reste encore du steak haché en bas dans le congélateur pour en faire. Des oignons, mon chum a envie de manger des pétates pilées et des carottes. Aujourd'hui, je vais peut-être me trouver une recette pour faire des carottes aux dents ou prendre celle de Ricardo. Là. Mon café va décoller à 7h15. Il nous reste un épisode de notre série à écouter. Notre série qui est ça, Lock and Keys. J'ai vu sur Netflix que les films de Noël arrivent. J'ai vu que sur Netflix, les films de Noël arrivent au mois de novembre. Puis j'ai déjà fait ma sélection de ceux que j'aimerais écouter qui vont sortir. Autant en dessin animé qu'en personne. Puis il y a une chose que moi et mon chum on a fait. Je me suis inscrite. Je ne sais pas si parmi ceux d'entre vous qui ont été enceintes ont pris une accompagnante à la naissance. Fait que moi et mon chum, on s'est inscrit hier, fait qu'on devrait avoir des nouvelles bientôt pour savoir qui qu'on va avoir. J'en sais pas autant que vous. Mettons, moi, j'en sais pas vraiment énormément sur ce sujet. C'est la première fois que je tombe enceinte cette année. Puis c'est la première fois, ben, c'est pas la première fois que j'en entends parler, mais. Je connais certains youtubeurs qui l'ont fait. Tu peux le devenir aussi, mais tu peux aussi une genre de formation. J'ai nettoyé mon poil. Je vais aussi me préparer une petite liste de choses que je dois m'acheter chez Delo, mais que j'y aille. Je sais pas quand est-ce, peut-être demain. Hier, j'ai pas écouté Occupation 2. Ça fait très bien vert. Je vais préparer des œufs pour déjeuner. Des petites patates. Des bonnes petites patates déjeuner. Je sais pas quelle température qu'il va faire aujourd'hui. Fait que je vais me faire cuire des cocos. Je vais avancer dans mon montage. Là, la semaine prochaine, c'est mon. Quel est mon film de grossesse? Faudrait que je regarde. Je vais sûrement peut-être faire d'autres cadeaux de Noël la semaine prochaine. Pour l'instant, j'ai seulement fallu de mon chum d'acheter. Je ferai pas des gros cadeaux cette année parce que j'aurai déjà l'accouchement et tout à m'occuper. Mais moi,
j'aime ça faire des petits cadeaux pareils à mes proches, fait que... Pas à tout le monde, là, je vais en faire moins que... que je faisais d'habitude. Ben, je suis pas hyper riche non plus. Dans moins d'un mois, ça va faire un an qu'on a acheté la maison. Déjà. Le 24 novembre. Comme il va rester un mois avant la veille de Noël. Là, aujourd'hui, on est le 26, fait qu'il reste deux mois avant le Boxing Day. Ça passe vite. Ouais, en soir, tantôt, je vais aller en bas. Puis je vais aller sortir mes petites tâches de Noël. C'est le temps pour ça, là. L'Halloween, c'est dimanche. Puis après ça, on peut penser à Noël. Et ça sort déjà dans les magasins. Mais pourquoi on n'aurait pas besoin d'en parler tout de suite? Fait que je vais sortir mes petites tâches que j'ai en bas. Puis je vais peut-être aller m'en acheter d'autres. Peut-être. Il y a un truc que j'aimerais m'acheter que j'ai vu chez Walmart pour ma fille. Pour mettre un peu plus tard qu'elle puisse manger. C'est une assiette là, pour enfants de Noël. Parce que crée-moi, je vais montrer la magie de Noël puis tout ce qui vient avec. On va aller voir le Père Noël ensemble. Je veux qu'elle préfère Noël que l'Halloween. En plus, celle-là, ça fait être pendant Noël. C'est encore plus important pour moi. Je suis née, moi, pendant Noël et le jour de l'an. Je suis née entre les deux. Fait que je sais de quoi je parle. Qui est Team Christmas ici? Écrivez-moi dans les commentaires ceux qui trippent autant sur Noël, le avant Noël, que moi. La préparation, la décoration, la bouffe, tout ce qui va avant, comme quand au mois de novembre, qui met les trucs de Noël, puis qui prépare la bouffe pour Noël. Le pendant, mais qui aime pas qu'il aime moins le pendant. Mais ceux qui trippent sur Noël, venez l'écrire dans les commentaires. Peut-être aller faire un tour chez Costco la semaine prochaine. Chez Dollarama demain. Ou cette semaine, ou la semaine prochaine. Et je vais voir quand est-ce que ça va me tenter de sortir, mais j'ai affaire chez Dollo, là. Faut que je fasse ma liste. Bonjour, il est présentement 11h10, puis je m'apprête à me faire à dîner. Ce matin, j'ai pas fait grand-chose, j'ai même pas fini mon montage, mais ben, il me reste genre un ou deux clips à faire, puis je vais mettre le vlog en ligne. J'ai même pas cuisiné, mon lave-vaisselle est prêt à se faire vider. J'ai vraiment pris ça cool aujourd'hui. J'ai déjeuné. J'ai parlé avec ma maman aussi. Je vais me reposer un peu sur mon lit. Puis là, ben, je m'apprête à me faire à dîner. Puis pour dîner, je me fais des croquettes de poulet. Style de McKickett, mais version Costco. J'ai commencé ma petite liste de trucs à acheter aussi. Moi puis mon chien, on a chillé. Je vous reviens. Enfin, mis la clôture dans le cours pour l'empêcher qu'il sorte, mais il faut le surveiller quand il s'approche sur le bord de la voisine parce qu'il peut sauter. Il peut se faire mal aussi, mais il peut sauter. Amélie a donné beaucoup de coups aujourd'hui. Je vais me faire chauffer des croquettes, puis je vais me préparer une salade avec un thé. Je voulais me faire un thé glacé, mais j'ai pas remis mon truc de glaçons dans le congélateur. Je vais peut-être faire des carreaux d'air tantôt pour mon chéri. Je sais juste pas quoi mettre. Fait que dans ma salade, je vais mettre un restant de un peu de chou. J'ai transféré mes candles dans un sac. Aujourd'hui, on se commande pas de resto. Puis mes croquettes, je vais manger ça avec de la sauce au prune. Ajouter mes échalotes. Des du concombre. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça me tente moins de faire de la cuisine aujourd'hui. Il y a des jours que ça me tente plus, puis des jours que ça me tente moins. Je vais m'ajouter de l'assaisonnement à la salade, un peu d'estragon, du poivre. Je pense que je vais mettre de l'huile d'olive cette fois-ci.
On avait reçu un petit échantillon comme ça par la poste. Par la poste. Quand t'achetais... Quand t'achetais de la salade d'altitude, puis je vais ajouter un peu de fromage. Fait que voici ma salade. On va commencer avec 5 croquettes, puis après ça, on verra si j'ai encore faim. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 3h55. J'ai perdu une partie de l'après-midi que j'ai pas vloguée. Je me sais même pas ce que j'ai vlogué. Je pense que j'ai vlogué une partie de mon avant-midi jusqu'à temps que je me prépare à dîner. Mais après dîner, je suis allée m'étendre sur le lit, je suis allée me reposer, puis je me suis endormie. J'ai dû faire une sieste environ 2 heures. Juste après avoir mis le vlog en ligne du 24-25 octobre. Puis, quand je me suis réveillée, j'étais allée aux toilettes, encore une fois. Et je suis allée prendre une petite marche pour aller voir le courrier avec mon chien. Et j'ai rien reçu. J'ai pas reçu ma commande de chez Bath & Body, ni ma commande d'Amazon. Je vais m'en avoir peut-être au courant de la soirée. Et après ça, je suis allée prendre une petite marche dans le côté de la maison, de la rue des Moissons. J'ai fait de la rue au complet. Elle est pas longue, mais ça fait du bien de sortir un peu, de prendre l'air, marcher un peu. Pas si froid que ça aujourd'hui, je sais pas comment il fait, mais je pense qu'il fait 13. Fait qu'il fait quand même pas si froid que ça aujourd'hui. Puis là, je vais mettre des clips pour le vlog d'aujourd'hui. Je vais commencer le montage. J'ai de la marche. J'ai joué au bâton avec mon chien dans le cours. Amélie a continué de donner des coups. Tous les jours. Je sais qu'en fin de semaine, on descend à Rivière-du-Loup, mais je pense pas. Je pourrais pas faire de montage en fin de semaine. Puis j'en ferai pas non plus, ben je vais profiter de ma fin de semaine. Fait que ça va sûrement être un vlog combiné de 2 jours. Un jour, je vais faire le montage du vlog le lundi, mais je remonte. Fait que vous allez voir les vidéos plus tard. Pour ça, je vais essayer de clencher des vlogs ou des vidéos cette semaine pour vous en mettre pour en fin de semaine. Je vais pouvoir voir mon petit neveu en fin de semaine. Amélie a l'heure de le rencontrer. Fait que moi, je vais vous laisser. Je vais continuer faire le montage. Puis là, ma bédaine est là, là. Si vous voulez voir ma bédaine... Continuez de pas payer. Je me suis mis mes leggings de maternité. Je suis comme tellement belle en dehors. Moi, je vous laisse. Je suis une petite collation que je me suis préparée. J'avais un petit creux. Je me suis fait une assiette de fruits, carottes, piment jaune. Et céleri avec une petite trempette, fromage à crème, moutarde de Dijon et moutarde ordinaire. Et un bon verre d'eau. Et je suis en train d'écouter l'échappée. Bonjour, il est présentement 17h47 et j'ai reçu un colis Amazon. C'est des bonbons encore. Je suis comme dans une pause en ce moment, je pense que j'ai des cravings en ce moment, c'est de manger sucré, autant du chocolat, des bonbons, de ce que j'avais pas avant. Mais je me suis quand même fait une collation santé tantôt. Mais on dirait que là j'ai une rage de sucre, de chocolat, de bonbons, moins des chips, mais vraiment plus des jujubes. J'ai vraiment ça comme rage en ce moment. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai commandé.
J'ai une rage de bonbons, mais j'ai pas ouvert mes bonbons d'Halloween pour l'Halloween. Je suis bonne. Oh, regarde la pitoune. C'est la petite pitoune d'amour. La petite pitoune. Elle s'en va sur l'ordi. On en profite, dit que Benji, papa est allé marcher avec Benji, fait que... sur le portable. On fait des va-et-vient. Fait que je vais vous montrer ce qu'on a reçu. Hein, Cléo, tu veux-tu montrer ce qu'on a reçu? Pour commencer, j'ai reçu des Maynards. Non, c'est des... Non, oui, c'est des Maynards. Mon petit fait sur la caméra quand même. C'est drôle. On y voit les foufounes. Fait que j'ai commandé des South Patch Kids aux fruits que je vais ajouter dans mon plat. Elle veut rentrer dans le sac, vous la voyez. Ensuite, j'ai commandé les Maynard Berry, Swedish Berry. Ça m'a coûté 10$, je pense. Les Maynard Fuzzy Peach. Des Jelly Belly Bol de fruits. Fait que c'est tout ce que j'ai commandé en termes de bonbons pour moi. On va faire des grilled cheese. J'aurais voulu faire les autres tomates, mais on n'a plus de tomates. On a juste des bébés tomates, puis c'est pas ce qui est meilleur comme sandwich de tomates. Il y a le pétone, est là. Ouais. Je vais vous montrer ma petite bédaine. Ma grosse bédaine, là. On va allumer la lumière, il fait noir. Je rentre encore dans ce chandail-là, mais je commence à tirer dans mes chandails X-large, fait que si j'ai sorti, ben j'ai sorti. Je mets souvent le même linge, comme vous pouvez voir. Fait que là, ça c'est mon 2X, il me fait. Avec mes culottes de maternité, que je suis hyper confortable dedans, que j'ai pris 15$ chez Walmart. Fait que la semaine prochaine, s'il en reste encore, je vais m'en chercher d'autres. Fait que... Vous voyez que le chandail, il veut... Le chandail, il veut faire des... Oups! Le chandail commence à être serré. Un peu grossi de la poitrine encore. Ouais. Puis je porte ma bédaine très basse. Puis j'ai l'impression que j'allais rire de moi, là. Mais à cause que j'ai une bédaine en avant qui pousse vers le bas, là, ben j'ai l'impression d'avoir des fesses. Une petite bosse de fesses. De ce que j'avais pas avant. La petite petoune d'amour. Il a de la douche. La vie d'un chat. Le vlog tout de suite, il est 6h. Avant de ne pas avoir le temps de vous conclure. Fait que moi, je vous souhaite de passer une belle soirée. On va sûrement se reparler demain. Je vais sûrement vlogger demain. Vous voudrez bien que je tourne mes autres vidéos. Je pense que c'est un peu ça, mon colis est envoyé. Je devrais le recevoir bientôt. It's bag. Ma commande Bath & Body Works aussi, je devrais le recevoir bientôt. On se reparle très bientôt, sûrement demain. Je vous aime fort. Ciao.